Voilà, ça T'es en dit. gap. T'es en gap, là. Ok, et ensuite, j'ajoute. Comment j'ajoute Voilà. Ok. Et ensuite, il faut qu'on écrive sur la page que c'est. Alors, est-ce que tout le monde me voit et m'entend? Je vois que ça a l'air bon. Alors écoutez, on commence avec un peu de retard et on a perdu Madame Mignaton. On a eu des difficultés techniques. Madame Mignaton était chez elle et moi à mon cabinet et le logiciel que nous utilisions ne voulait plus marcher. Alors, on va avancer comme ça et on va voir comment on ajoute Emmanuel. Le plus important, c'est qu'on puisse se parler. Je suis convaincu que Madame Mignaton ne sera pas fâchée si on n'arrive pas à l'ajouter tout de suite. Alors. Nous avons souhaité, avec Emmanuel Mignaton et moi-même, mon cabinet et mes collaborateurs, puisque vous savez que je ne suis pas tout seul à m'occuper de vos dossiers, se rapprocher de vous et pouvoir vous parler. Ça aurait été plus sympathique en vrai, bien sûr, et peut-être, j'espère, l'association pourra organiser ce type d'événement. La situation est comme elle est aujourd'hui. J'ai souhaité prendre un peu de temps pour vous parler et pour vous expliquer où est-ce que nous en sommes dans les procédures judiciaires et surtout vous expliquer que nous avons d'ores et déjà pu lancer un certain nombre de procédures judiciaires pour des femmes qui souffrent d'effets indésirables liés à ces médicaments. Le premier chapitre de choses que je voudrais pouvoir vous exposer, c'est qu'on peut y arriver. C'est qu'on peut y arriver et qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter, à prendre contact avec mon cabinet, avec mes collaborateurs, à prendre contact avec Madame Mignaton, avec l'association, pour lancer des procédures. Je dis souvent que le premier ennemi des victimes, c'est les victimes elles-mêmes, qui n'osent pas. Parce qu'elles sont inquiètes des honoraires, parce qu'elles sont inquiètes de la lourdeur psychologique de cette procédure, qui sont inquiètes de la durée, les victimes qui n'osent pas agir. Il faut agir, il faut agir et on peut y arriver. Les exemples récents dont vous avez entendu parler, du Mediator, les exemples de la Dépakine, montrent qu'on peut y arriver. On peut y arriver et nous avons d'ores et déjà des expertises qui sont en cours et on espère pouvoir faire indemniser dans les mois qui viennent, peut-être plutôt en 2022, des premières victimes. Cette charge psychologique de lancer une procédure, on la connaît bien sûr, on la connaît et on a l'habitude de la gérer et nous sommes là au cabinet pour vous aider à constituer les dossiers et à vous suivre pendant toute la procédure et à chacune des étapes. Un premier point d'abord sur le dossier médical. Vous êtes nombreuses à nous écrire et à nous dire comment je fais pour récupérer mon dossier, les médecins ne veulent pas me les donner, comment est-ce qu'on s'organise? Le dossier médical appartient au patient. Depuis des années maintenant, la loi donne obligation aux médecins et aux hôpitaux, à tous les établissements de santé, de communiquer et de donner le dossier médical. Il faut en faire la demande et nous avons, nous, au cabinet, des courriers types et des éléments pour pouvoir vous aider dans la constitution du dossier médical. Ce dossier médical, il est très important. C'est la base de toute la discussion de ce qui sera fait d'un point de vue judiciaire. Ce dossier médical, ça peut être parfois un peu long de le constituer, et ici, au cabinet, les juristes, les stagiaires, les avocats sont là pour vous aider pour constituer ces dossiers médicaux. Concrètement, on va vous envoyer les courriers que vous posterez à vos différents médecins pour demander ce dossier médical. Ce dossier médical, je vous disais, c'est la base de la réflexion et nous attendrons d'avoir ce dossier médical complet, j'insiste, complet, pour pouvoir discuter individuellement avec l'une, avec l'autre, de la stratégie judiciaire. Est-ce qu'on va dans telle procédure ou est-ce qu'on va dans une autre?
Est-ce qu'on fait quelque chose? Tout ça, c'est conditionné par le dossier médical et aussi par les discussions que nous aurons ensemble. Quels sont vos objectifs de calendrier? Quelles sont vos situations individuelles? Est-ce que vous allez bénéficier d'une assurance protection juridique qui peut prendre en charge les frais? Bon, tout ça, ce sont des discussions que nous aurons ensemble, mais il faut les avoir. Quitte éventuellement à ce que, à la lecture du dossier, on considère qu'il n'y a rien à faire. Ça, c'est possible. Mais il faut au moins vérifier ces éléments-là. Pourquoi est-ce que j'insiste beaucoup sur cet aspect? Le temps qui passe n'est jamais favorable aux victimes. Vous savez, il existe dans notre droit des délais de prescription qui interdisent d'agir après un certain temps à la suite de la découverte du problème. Donc plus le temps passe et plus nous risquons d'avoir des difficultés. Alors aujourd'hui, on a encore le temps. Ce n'est pas une difficulté. Mais si vous nous rappelez dans 3 ans, 3 ans auront passé et les difficultés commenceront à apparaître. Donc n'hésitez pas, parlons-en. Et y compris sur la question des honoraires, et nous savons que c'est une question qui préoccupe nos clients, et nous avons l'habitude de trouver des solutions pour que toutes les procédures puissent aller jusqu'à leur terme. Alors, quelles sont d'ailleurs les procédures judiciaires qui sont en cours? Est-ce que tout le monde continue à m'entendre comme il faut, comme on avait eu quelques difficultés? Si vous me mettez un petit mot sur les commentaires. Alors on va voir. Pour l'instant, j'ai pas de retour sur les commentaires. Alors c'est bon. Donc quelles sont les différentes procédures en cours? Les procédures en cours sont d'abord des procédures devant le juge. Ça veut dire le juge judiciaire, le juge civil, qui va, dans le cadre d'une expertise, ordonner la nomination, pardon, dans le cadre d'un référé, une procédure d'urgence, dans le cadre d'un référé, ordonner une expertise. Cette expertise, c'est la base de la procédure judiciaire et elle vise, cette expertise, à répondre à 2 questions. Est-ce qu'il y a un lien de causalité entre la prise du médicament et l'apparition du problème, ici les méningiomes? Et deuxièmement, quelle est l'évaluation des dommages? Comment va la victime? Est-ce qu'elle a tout récupéré? Est-ce qu'elle garde des séquelles? Est-ce que ces séquelles sont imputables? Cette expertise individuelle, j'insiste bien, individuelle, cette discussion sur la causalité et sur tous les éléments, c'est individuel. Cette procédure d'expertise, elle nécessitera une expertise physique pour rencontrer les experts et évaluer l'imputabilité, la causalité, mais aussi l'ampleur du dommage. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous n'allez pas bien? Cette expertise, elle est nécessairement individuelle parce qu'il s'agit de regarder pour une victime. Quand est-ce qu'elle a commencé à prendre du médicament? Comment elle allait avant? Comment ça s'est passé? Je vois au fur et à mesure les questions. Comment on récupère les pièces de plus de 20 ans? Ben, ça, c'est exactement une question pour préparer l'expertise. Eh bien, on se débrouille. On se débrouille. Les conseils de l'ordre peuvent être sollicités. Si le conseil de l'ordre ne donne pas suite, on assignera le médecin et le médecin se verra obligé par le juge à communiquer les pièces. Dans un dossier médical, il y a toujours des trous. Il va nous manquer un dossier très ancien d'il y a 20 ans, une prescription par ici. Notre métier, c'est d'essayer au mieux, et à l'impossible, nul n'est tenu, de constituer des dossiers. Donc s'il manque le dossier du médecin traitant d'il y a 20 ans, ben, on se débrouillera. On se débrouillera pour montrer que Androcur, Lutéran, Luténil ont effectivement été consommés par d'autres moyens. Dans les comptes rendus de l'hôpital, dans les comptes rendus des autres médecins. Donc ne vous bloquez pas si et simplement si on avait une ou quelques pièces qui manquaient. Donc je vous disais sur l'expertise, c'est important de passer par cette phase individuelle et c'est cette phase-là qui
conditionne l'issue de l'expertise. Si l'expertise dit il n'y a pas de lien de causalité, eh ben, il n'y a pas de lien de causalité et on va être très coincé. Donc cette expertise, elle est très importante et bien évidemment, nous, les avocats, nous viendrons à l'expertise, on la préparera ensemble et vous ne serez pas lâchés dans la nature pour ce type d'expertise. À la suite de ces expertises, une fois que l'expertise est terminée, on saisit le juge et en saisissant le juge, on va chercher l'indemnisation contre les responsables. Alors qui sont les responsables? Ben, d'abord le laboratoire, et nous avons, au fur et à mesure de toutes les procédures, pu récupérer énormément de documentation pour démontrer la responsabilité du laboratoire. Dans certaines hypothèses, les médecins aussi verront leur responsabilité engagée, notamment lorsque notamment lorsque les... Excusez-moi, je suis déconcentré par les commentaires. Notamment lorsque les médecins auraient prescrit hors AMM et hors autorisation de prescription. Je vois que ça, le live ne fonctionne pas correctement pour certaines d'entre vous. J'en suis désolé. On va continuer comme ça. La vidéo sera disponible sur le site et vous pourrez bien évidemment la consulter et aussi nous rappeler pour qu'on puisse voir ensemble. Alors, on me dit où a lieu l'expertise et quand est-ce que le dossier vous paraît complet? Ben voilà clairement des discussions que nous devons avoir de façon individuelle. Lorsque, au début de la procédure, on vous demande de constituer un dossier, on va lister de façon exhaustive tout ce que nous souhaitons obtenir. Et puis ensuite, à un moment, ben, on arrête d'attendre, on regarde ce qu'on a et on regarde si on peut aller à l'expertise. Et de toute façon, si on a des difficultés, le juge peut toujours ordonner au médecin de communiquer des pièces. L'expertise, ben, elle a lieu là où on la demande. L'expertise, elle a lieu avec un médecin qui est nommé par le juge, qui est indépendant des parties, et ça peut être soit à Paris, soit ailleurs. Ça fait partie des discussions que nous avons avec le juge pour nommer un expert soit vers le lieu de domicile de la victime, soit ailleurs. Ailleurs, ben, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on prend un médecin qui ne fait pas partie du réseau d'amitié et du réseau de pratiques professionnelles de l'hôpital ou des médecins qui sont mis en cause. C'est pas mal de s'en aller. L'inconvénient, évidemment, c'est qu'il faut se déplacer, mais tout ça fait partie des choses qui s'organisent. L'autorisation de... Alors, l'AMM, c'est l'autorisation de mise sur le marché. C'est l'autorisation administrative qui dit pourquoi on peut prendre le médicament dans un sens ou dans un autre pour tel problème ou tel autre. Retenez de tout ce que je dis là que l'important, c'est qu'il faut faire des procédures ou au moins de se mettre en disposition de les faire et qu'il y a nécessairement un passage par une procédure individuelle. La question, c'est pour Madame X, pour Madame Y. Et on ne peut pas tout faire en même temps. C'est une des raisons pour lesquelles les actions de groupe dans ce genre de dossier sont extrêmement difficiles et peu efficaces, parce qu'il faut qu'il y ait une procédure individuelle. Ce qui n'empêche pas, et je vais maintenant vous expliquer ce que Madame Mignaton et l'association Amavea ont mis en place. Cette réflexion individuelle, elle n'empêche pas une certaine réflexion collective, groupée, générale. À ce titre, l'association a réussi à obtenir la nomination d'un expert pour faire une expertise générale sur le produit. Comprenez bien, il y a deux questions. Individuellement, pour Madame X, Madame Y, Nathalie, Bernadette, Francette, peu importe. Pour vous, une discussion individuelle. Est-ce que le produit est à l'origine de mon problème et quel est mon problème? Et vous souffrez, chacune d'entre vous, d'effets indésirables distincts. Tout le monde n'est pas dans la même situation. Et puis il y a une autre question, qui est une question générale, qui concerne le produit. Et sur cette question-là, l'association a obtenu la nomination d'un expert qui doit s'intéresser au produit. Qui il est?
Comment il marche? Depuis quand on sait qu'il y a des effets indésirables? Quels sont ces effets indésirables? Qu'est-ce qu'il y a dans la base de pharmacovigilance sur ce produit? Sur ce sujet-là, général, l'association a obtenu la nomination d'un expert et les expertises vont pouvoir commencer, j'espère, à l'automne. L'objectif, c'est d'alimenter les procédures individuelles et la procédure générale pour démontrer la responsabilité du médecin et éventuellement de l'autorité de santé. Les dossiers y sont donc traités au cas par cas, mais on utilise des éléments d'un dossier et de l'autre pour faire avancer la cause commune de toutes les victimes. Je vois, il y a des questions là qui reviennent un peu en arrière sur la liste des éléments qui sont nécessaires dans le dossier médical que nous vous demandons. Je ne vais pas aujourd'hui faire devant vous la liste complète. Ce n'est pas ça l'objet de ce live Facebook. Ça, c'est une discussion individuelle que nous aurons ensemble en fonction de votre histoire médicale. Est-ce que vous aviez des antécédents? Est-ce que vous aviez fait une IRM pour je ne sais quelle raison? Pourquoi vous? Tout ça, on le verra individuellement. On le verra individuellement et nous vous enverrons toujours une liste précise des différents éléments. Retenez simplement, vous avez le droit d'obtenir le dossier médical. Et c'est facile à faire. Quand il y a des difficultés, on est là pour vous aider et on vous aidera effectivement pour obtenir ces pièces. Le principe, c'est un dossier complet. L'intégralité du dossier. Ne faites pas de tri. Ne faites pas de difficultés, ne vous inquiétez pas sur les pièces, donnez-nous et nous, on regarde pour vous aider à bâtir le dossier. Je vous faisais donc une explication sur l'action de l'association. Cette action, elle est importante, mais elle ne remplace pas les discussions individuelles pour chacun de vos dossiers. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, on en est qu'il y a une vingtaine de procédures judiciaires qui sont d'ores et déjà lancées dans mon cabinet. On a une vingtaine de dossiers qui sont complets, qu'on va pouvoir lancer devant le juge pour initier les procédures judiciaires. Et nous sommes à votre disposition pour continuer. Et si vous avez des situations à nous exposer, appelez-nous, écrivez-nous. Vous retrouverez toutes les coordonnées, bien sûr, et on vous les fera repasser. Écrivez-nous pour nous exposer les situations individuelles. Là, je vous faisais une. Alors, on m'écrit, peut-on joindre un courrier explicatif pour justifier les pièces manquantes? Oui, écrivez-nous quand vous nous envoyez les pièces pour nous expliquer où vous en êtes. De toute façon, on prendra contact avec vous par téléphone, que ce soit moi ou mes collaborateurs, pour faire un point avec vous et voir si on peut pousser par ici. S'il faut, nous, on fera une lettre d'avocat signée. On peut faire une mise en demeure aux pharmaciens, aux médecins, s'ils ne nous donnaient pas les éléments. Tout ça, on le verra individuellement. Je vous ai exposé ici la question des procédures judiciaires. Vous le savez, il y a aussi des procédures qui sont engagées devant les CCI. Les CCI, ce sont les commissions de conciliation et d'indemnisation, qui sont une émanation d'un office public d'indemnisation qui s'appelle l'ONIAM et qui conduisent des expertises. Alors, ces procédures CCI sont difficiles. Elles sont difficiles et posent un certain nombre de difficultés. D'abord, à titre personnel, je vous encourage à ne pas aller à ces procédures seul. Aller à une procédure d'indemnisation, une expertise ou une procédure devant la CCI sans avocat et sans médecin, ce n'est pas une bonne idée. Et nous récupérons ici des dossiers qui ont été mal ficelés, mal organisés, avec des victimes qui ont été maltraitées dans ces expertises qui sont difficiles. Difficile à vivre psychologiquement, mais difficile à vivre techniquement, parce que les victimes se retrouvent désemparées devant des experts, devant des avocats, des laboratoires, devant des avocats, des médecins. Donc à titre personnel, et je rejoins là la position de la plupart des avocats de victimes, attention,
n'allait pas à ses expertises CCI toute seule. Surtout, ces expertises CCI montrent des limites où des CCI refusent d'ordonner ces expertises, notamment lorsque un seuil de gravité n'est pas atteint. Je ne vais pas ici rentrer dans des détails trop techniques, et ça fait partie des discussions que nous aurons ensemble, mais sachez que les CCI ne sont compétentes que si la situation médicale qui est exposée par les victimes est suffisamment grave. C'est ce fameux seuil de 24% de déficit fonctionnel permanent, et ça fait partie des discussions que nous aurons avec vous pour aiguiller le dossier dans telle ou telle procédure. Alors je lis sur les commentaires, comment on sait si on va devant le juge civil, le juge pénal ou la CCI? Bah, ça c'est le travail de l'avocat. Notre travail, une fois que le dossier est parfaitement documenté, qu'on a toutes les pièces, ou qu'on a décidé qu'il manquait ici telle ordonnance, tel truc, tel machin, qu'on y va. Où on va? Alors, c'est à nous de vous dire, est-ce qu'on va au civil, est-ce qu'on va au pénal, est-ce qu'on va devant une procédure d'indemnisation amiable type CCI? Ça, c'est la question du choix et de la stratégie. On va regarder le dossier, on va regarder si vous avez une assurance ou l'aide juridictionnelle, on va regarder quel est le seuil de gravité, est-ce que ça va passer à la CCI ou est-ce que ça ne va pas passer, et on va regarder avec vous qui vous souhaitez mettre en cause. Les questions, je vois là, sur les délais de prescription, tous ces éléments-là, ben on en discutera individuellement. Est-ce qu'il y a un problème sur la prescription ou est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'on va forcer le destin et faire une procédure quand même, même si cette question se pose? Tout ça sont des éléments, des discussions individuelles que nous devons avoir ensemble. Pour finir sur la question des CCI, ces commissions d'indemnisation, de conciliation et d'indemnisation, donc je vous l'ai dit, il y a cette difficulté qu'il ne faut pas se présenter sans avocat, il y a cette difficulté du seuil de compétence, il y a aussi cette difficulté que les expertises sont souvent assez légères, nous semble-t-il, peu détaillées et conduisent souvent les experts à retenir qu'il existe un aléa thérapeutique, c'est-à-dire pas de responsabilité d'un acteur, ni d'un médecin, ni du laboratoire, et c'est donc aux finances publiques d'indemniser, l'ONIAM qui indemnise à ce titre de la solidarité nationale, et cette indemnisation par l'ONIAM, elle est pas toujours la plus généreuse à l'égard des victimes. Tous ces éléments-là, alors j'en profite pour répondre à quelques questions, votre état de santé n'est pas stabilisé. Effectivement, l'indemnisation est plus facile lorsque l'état de santé est stabilisé, c'est-à-dire que 2, 3 ans ont passé après l'opération. Néanmoins, il ne faut pas attendre pour lancer une procédure. Commençons à constituer les pièces, commençons à préparer le dossier, et on peut tout à fait lancer un dossier, même si on sort juste de son opération. Évidemment, pas le lendemain. Prenez soin de vous. Le plus important, c'est de prendre soin de sa santé, mais quelques mois après une éventuelle opération, prenez contact avec nous. Alors, les procédures, je réponds ici à Sadrina, les procédures, elles sont individuelles. C'est à titre individuel qu'il faut établir le lien de causalité. La question des honoraires. Ici, dans mon cabinet, nous avons l'habitude d'organiser des procédures judiciaires pour des victimes comme vous, des personnes physiques qui souffrent d'un problème de santé et qui ne roulent pas sur l'or. C'est notre métier. C'est notre métier et nous avons l'habitude d'organiser les choses. Il n'y a ici aucune difficulté à organiser cela. Il n'y a pas d'honoraires à payer pour l'ouverture du dossier. Notre stratégie, notre philosophie, c'est de vous faire une proposition d'honoraire lorsque nous avons en main un dossier complet. Toute la phase de constitution du dossier ne fait pas l'objet d'une facturation et c'est uniquement lorsque nous avons le dossier complet, y compris sur les éléments de l'assurance, de l'aide juridictionnelle, que sais-je, lorsqu'une stratégie a été élaborée, que nous vous ferons une proposition d'honoraire. Et cette proposition d'honoraire, elle n'est que pour l'avenir. Toute la phase de constitution du dossier
fait partie d'un travail qui est organisé et qui ne donne pas lieu à une facturation. C'est uniquement lorsqu'on sait où on va qu'on vous fera une proposition. Et les propositions, elles sont écrites avec une convention d'honoraires et vous verrez cela tout à fait tranquillement. Jamais quelqu'un a refusé notre aide pour des raisons financières. Alors la protection juridique peut suffire avec ou sans complément de votre part. Ça fait partie des discussions individuelles que nous aurons avec vous en fonction de la protection juridique et en fonction de l'orientation du dossier. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas sortir un chiffre comme ça, selon ce qu'on va faire, comment, où, et on aura là une discussion très précise. N'ayez pas d'inquiétude. Voilà, je suis arrivé au bout de ce que je souhaitais vous dire. Avant de finir et d'ouvrir et de répondre un peu plus précisément aux questions que vous pourriez avoir, je tiens à remercier chaleureusement, elle n'est pas là avec nous parce qu'on a eu ce petit problème technique, Madame Mignaton pour son énergie, les autres membres de l'association aussi, bien sûr. Pour son énergie, vous savez que Madame Mignaton est en lien étroit avec mon cabinet pour essayer au mieux d'organiser les réponses juridiques, mais surtout que Madame Mignaton travaille énormément avec l'ANSM, travaille énormément avec, alors l'ANSM c'est l'autorité de santé, pour porter la voix des victimes dans les différentes instances et les différentes commissions. Madame Mignaton a surtout organisé et coordonner la rédaction de ce livret d'information qui est super chouette, qui est hyper bien fait. Il y a des schémas, il y a des dessins, des explications, il y a un glossaire à la fin pour bien comprendre. Et ça fait partie de la stratégie d'information d'aider les victimes à se faire entendre auprès des autorités de santé, auprès des médecins et auprès des pouvoirs publics. C'est très important et je l'en remercie. N'hésitez pas, c'est important à soutenir l'association, à renouveler votre adhésion et à vérifier que l'association soit bien représentée. Alors, je vais maintenant répondre un peu plus aux questions. Qui paye les frais d'expertise lorsqu'une expertise judiciaire est organisée? Si vous avez une assurance protection juridique, c'est l'assurance qui paiera. On peut faire peser la charge des expertises sur le laboratoire, on l'a déjà fait, et effectivement, c'est une bonne idée de se débrouiller pour que le laboratoire paye. Ce que nous faisons, nous, avant de lancer une procédure judiciaire, c'est d'organiser et de veiller à ce que cette charge ne soit pas, ne pèse pas sur les victimes. Les victimes, elles ont déjà un préjudice corporel, on ne va pas en plus leur faire payer des frais d'expertise. On aura cette discussion individuellement, notamment pour celles d'entre vous qui n'ont pas d'assurance protection juridique, et nous verrons comment on peut financer ces opérations d'expertise. Ça fait partie des discussions individuelles que nous aurons. Je vois par exemple Sadrina qui dit qui parle de la force pour constituer un dossier. Oui. C'est difficile et nous ne sous-estimons pas que c'est difficile pour vous de se lancer dans une procédure judiciaire, se lancer dans un dossier. On est là pour vous aider. On est là pour vous aider et j'ai même, à compter du mois de septembre, recruté une nouvelle juriste, une nouvelle avocate qui vont s'occuper des dossiers en droit cure pour vous aider. On ne vous lâche pas dans la nature, bien évidemment. On a besoin de vous pour les grandes étapes de la procédure, mais ensuite, nous sommes là pour vous aider. Des mots très gentils au sujet du livret, et c'est vrai que ce livret, il est très très bien. Comment se procurer ce livret? Ça, je laisse Madame Mignaton vous l'écrire. Je crois qu'elle en a commandé un certain nombre et vous en recevrez si vous voulez. Alors, je regarde encore des gentils mots de remerciement, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, Emmanuel Mignaton précise, vous envoyez un email à l'adresse contact, contact@amavea.org, O-R-G, et vous aurez comme ça, on vous enverra les livrets. Est-ce que
Est-ce qu'on a d'autres éléments à voir ensemble? Est-ce que vous avez d'autres questions? De toute façon, vous l'avez compris, hein, ici, l'objectif d'aborder ensemble des situations un peu générales, les situations individuelles, nous verrons ça tranquillement par téléphone ensemble. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de mettre un terme à cette discussion. Sortez-en revigorés, pleines d'énergie. Les procédures que j'ai évoquées, elles sont pour le luthéran, pour le luthénil, pour androcure. Mais plus globalement, nous, on est là pour aider les victimes d'accidents de la route, d'accidents avec d'autres difficultés. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Vous verrez sur notre page internet, le site du cabinet Dante, vous verrez sur notre page Facebook, nous sommes là dans plein de dossiers pour aider les victimes. Je prends là encore quelques questions, mais ensuite on va fermer. On peut se faire indemniser et avoir une prise en charge, qu'on soit opéré ou pas opéré, qu'on ait des effets indésirables très graves ou peu graves. La gravité, vous savez, on finit par s'habituer à ces situations de handicap, avoir un méningiome, avoir été opéré, même si on va bien, c'est quand même une situation d'une immense gravité et qu'il ne faut pas laisser passer. Faites valoir vos droits. Oui, c'est parfois difficile de constituer un dossier, mais ce n'est pas insurmontable. On est là pour vous aider et on va y arriver. Pour le reste, continuez à regarder notre site internet, continuons à nous parler. Prenez contact avec nous dans le courant de la semaine prochaine, par email, par téléphone. Et je vous souhaite un très bon week-end à tous. Madame Mignaton, je suis confus qu'on n'ait pas pu vous avoir en vrai et que cette situation technique n'ait pas bien fonctionné. On s'améliorera pour la prochaine fois. À très bientôt. Au revoir tout le monde.